Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de lexique intitulée les préfixes. Prenez vos manuels, page 57. Avant de commencer, que constituent les mots suivants? Mari, mariage, remariage, se remarier. Ces mots suivants ont un rapport de sens entre eux. Elles forment une famille de mots. J'observe et j'élabore. Les hommes jouent et rejouent de la musique. Pour la fête, les femmes servent des gâteaux aux amandes et aux noix. Tu peux te resservir de ce tagine au pruneau. Il est délicieux. Les repas de fête sont interminables. Question numéro 1. Quelle différence y a-t-il entre les mots joue et rejoue, serve et resservir? Joue et rejoue, ce sont deux verbes de la même famille. Le deuxième fait partie du premier. Il est précédé d'un re. Serve et resservir sont aussi deux verbes de la même famille. Il est aussi précédé de re. Quel est le préfixe utilisé? Pour former le deuxième mot, on a utilisé le préfixe re. Re, ça veut dire à nouveau. Dans le mot interminable, que signifie le préfixe? Le préfixe 1 marque un contraire. Interminable, terminable. C'est le contraire de terminable. Relève les préfixes utilisés dans les mots suivants. Désordonné, emporté, illisible, encerclé. Le préfixe ici, c'est des. En. Il ont ordonné, porté, lisible, cerclé. Je retiens. En ajoutant un préfixe à un mot de base appelé aussi radical, on obtient un nouveau mot. Le préfixe se place devant le radical. Les préfixes sont nombreux. Chaque préfixe a une signification. Connaître le sens d'un préfixe aide à comprendre le sens d'un mot. Quelques préfixes, des significations et des exemples. Re et ré, signification c'est la répétition. Revoir, voir de nouveau. Réaffirmer, affirmer de nouveau. Un ou un avec M, la négation. Incompris, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Invisible, qu'il n'est pas visible. Impardonnable, qu'il ne peut pas être pardonné. D ou D avec S, séparation, déroulé, entendre ce qui est roulé. En ou en, dans, encercler, mettre dans un cercle, empaqueter, mettre en paquet. Mais, le préfixe, mais, la négation, mécontent, pas content. Je m'entraîne. Sépare par un trait vertical le préfixe du radical dans les mots suivants. Embellir, bir, déplacer, placer, relâcher, lâcher, redire, dire. Incroyable, croyable. Imbuvable, buvable. Relève l'intrus dans chaque liste. Détruire, déboiser, dévisser, dénouer, dégeler. L'intrus ici, c'est détruire. Enfermer, empêcher, encourager.
enfourner, enlaidir. L'intrusi, c'est empêcher. Refaire, redire, renaître, rester, repartir. L'intrusi, c'est rester. Exercice numéro 3. Relève le préfixe commun à ces mots et précise ce qu'ils signifient. Reloger, recommencer, revivre, relire, remonter. Le préfixe commun, c'est re. Que signifie re? Ça veut dire faire quelque chose à nouveau. Exercice numéro 4. Forme un nouveau mot en complétant avec le ou les préfixes qui convient ou bien conviennent. Re, un ou un, des ou des, sur. Attendu. Inattendu. Attendu. Inattendu. Exact. Inexact. Armé. Désarmé. Chargé. Déchargé. Prudent. Imprudent. Faire. Diffère. Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.